Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la case numéro 24 des calendriers, la dernière case. Normalement ça doit être la plus belle, la meilleure quoi. Donc on va voir ce qui nous attend pour chaque calendrier. Et en plus ce soir c'est Noël, enfin ça dépend si vous faites le 24 ou le 25. Nous personnellement on ouvre les cadeaux le 24 au soir et pas le 25. Donc on commence comme d'habitude par le grain créatif qui a été vidé dans tous les coins. Donc j'ai eu un peu la flemme de faire mon petit truc. Du coup je pense qu'on vous le montrera quand on vous montrera nos cadeau de Noël. Donc le 24 il est immense. Je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas c'est très mignon. Oh. Ah mais tu sais, genre tu le mets sur la pâte fimo et ensuite t'appuies et quand t'enlèves et ben le truc il est sur la pâte fimo. Donc ça va, c'est assez sympathique, j'avais jamais vu. Et en plus les dessins ils sont beaux. Tu mets comme ça et après le motif là il va être sur la pâte fimo. Ouais je pense. Ensuite on va ouvrir le caramba. Non, c'est le Ikea. Le Ikea, d'accord, si tu veux. En plus, le Ikea, le 24, il est mais juste mais immense. Bon, on ouvre. Hein. En cette veille de Noël, voici le dernier délicieux chocolat et le bon d'achat Ikea d'une valeur de 5 euros minimum. Avec un peu de chance, il fait partie des bons d'achat d'une valeur comprise entre 10 et 300 euros. Rendez-vous en magasin à partir du 26/12/2018 pour découvrir sa valeur. Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de Noël à vous et à toute votre famille. Voilà, merci. Mais c'est honteux. Ils ont pas honte. Mais ils devraient avoir honte, Ikea. Déjà, on attend tout le truc. Ben, du coup, on a une petite carte, mais on saura sa valeur que le 26. Le 26, si on va Ikea. Puis là, on a un chocolat. Je propose qu'on en ouvre qu'un pour qu'on goûte. Alors, par contre, je suis choquée, Ikea. On va devoir attendre le 26, mais le 26. Bah, du coup, ça continue. Enfin, du coup, c'est tout pour la fin de Noël. Oh, il y a des petits carrés. Oula, il y a un truc à l'intérieur. Non, mais moi aussi, je l'ai senti. C'est juste écrit bâton de chocolat. Hein. Mais oui, il manque des trucs. Donc, c'est un bâton avec des petits morceaux de caramel à l'intérieur. C'est très bon, j'aime beaucoup. Et je vous dirai la valeur de la carte sur Instagram si j'y pense. Donc, suivez-moi sur Instagram. Mon Instagram, c'est Maline1622 et je vous le dirai en story. C'est abusé, le 24 de carambar, il est trop mignon. Bah ouais, parce qu'on les a déjà eu dans d'autres cases. Bah, du coup, c'est un carambar au coca et un carambar atomique rouge. Bon, carambar, vous aurez pu me faire, on les a déjà eu dans les autres cases. C'est à Florine d'ouvrir le Sephora. Oh là là, c'est la fin de ce calendrier. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette petite case? Normalement le 24 c'est vraiment le clou du spectacle. Et ben là le spectacle il s'est mal fini hein. Pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est un élastique comme on avait eu dans une autre case. Mais cette fois-ci il est bleu. Ah, vous l'avez aussi dans une autre case? Non, pas celui-là, on en avait eu un comme ça avec des paillettes à l'intérieur, transparent avec des paillettes. Du coup là il est bleu nuit. Ben, en plus je préférais l'autre, je le trouvais plus beau. Là il est juste bleu. Bon, Sephora, tu nous as fait notre déception. Hein. Ensuite, le Harry Potter. Le numéro 24, il est là. Qu'est-ce qui pourrait être si spécial? Ah bah tu vois ce que l'avait dit. Il avait dit. C'est Harry Potter avec son petit pull avec un H. Bah, je suis déçue. Pourquoi? Ah ouais, mais c'est un peu, il est pas. Ben, je suis contente qu'on va ouvrir la case mystère. Oulalalala. On a déjà une petite boule comme ça, c'est en plastique donc on le mettra sur le sapin. Des petites chaussettes de Noël, elles sont trop belles, donc c'est Mickey et Minnie, voilà. J'aime beaucoup ces chaussettes de Noël. Un masque du Père Noël, moi, et Florence, c'est un masque de Rodolphe avec des mini sucres d'orge. Florine, elle a une boule qui fait de la lumière avec un bonhomme qui tourne à l'intérieur. Là, on a une recette pour faire un moelleux au chocolat. Et donc, Florine, c'est pour faire des cookies au chocolat blanc et au chocolat noir. Bah, on testera ça. Dites-moi en commentaire si vous voudriez une vidéo YouTube sur on teste ça, des recettes. De moi, j'ai une case 2 et un ticket de pièce. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez des petits commentaires. On vous souhaite un joyeux Noël et on vous dit à la prochaine fois. Bye!